Pendant la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids diffusée ce mardi 11 juillet, les téléspectateurs ont découvert la pétillante Benjamin de la saison, Charlie, 6 ans. À la fin de sa prestation, la petite fille originaire de Corse a tenu à faire passer un message à Patrick Fiori. Un message carrément craquant. Ce mardi 11 juillet, les téléspectateurs découvrent la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de la 9e saison de The Voice Kids. La semaine dernière, de nombreux candidats ont d'ores et déjà beaucoup touché les quatre coachs de cette nouvelle édition, Patrick Fiori, Kenji Girac, Nolwenn Leroy et Slimane. Certains d'entre eux se sont déjà fait beaucoup remarquer par leur histoire, notamment Néo, qui nous est revenu sur son histoire bouleversante pour Télé Loisirs et Oriane, qui a retenté sa chance dans le programme. Lors de cette nouvelle soirée, d'autres jeunes artistes espèrent intégrer l'aventure, c'est le cas de Charlie, 6 ans. J'habite en Corse, Charlie, The Voice Kids 2023, a un message pour Patrick Fiori. La jeune chanteuse en herbe est passionnée par The Voice Kids et a décidé de tenter sa chance cette année. Elle s'est alors présentée aux auditions à l'aveugle avec une reprise étonnante et osée de L'homme à la moto de la chanteuse Edith Piaf. Charlie a proposé une belle prestation au coach, mais Nolwenn Leroy est la seule à avoir appuyé sur le fameux bouton rouge. La petite fille a été très heureuse en découvrant qu'elle intégrait l'aventure, toutefois, elle s'est rapidement imposée après son passage, il fallait juste que je dise un petit truc à Patrick. Le coach, totalement attendri par Charlie, s'est ensuite levé pour l'écouter attentivement. Donc, tu t'appelles Patrick Fiori. Ma nana, elle s'appelle Lilou Fiori. Et j'habite en Corse. A-t-elle dévoilé? Alors, ont-ils un lien de parenté? Non, a-t-elle poursuivi en souriant. Patrick Fiori lui a alors demandé d'embrasser sa grand-mère pour lui, mais c'était sans compter sur Nikos Aliagas qui lui a indiqué qu'elle était en coulisses. Tu as l'âge de mon garçon, Nolwenn Leroy sur le point de craquer en prenant Charlie dans ses bras dans The Voice Kids 2023. La mère et la grand-mère de la petite fille sont ensuite entrées sur le plateau et Charlie s'est empressé de sauter dans les bras de sa maman. Écoute, Charlie, ça dépotait. C'était incroyable ce que tu nous as donné, toute cette énergie. Et moi, j'ai parlé avec mon pote Slimane qui m'a enseigné le buzz du cœur et là c'était mon buzz de cœur. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ta voix, je t'imaginais bouger et je regardais les yeux du public. Je ne pouvais pas faire autrement que de me retourner, a expliqué Nolwenn Leroy à la jeune chanteuse. Nikos Aliagas a alors appris au coach que Charlie est la Benjamin de la nouvelle saison, ce qui a beaucoup touché la coach. Tu as l'âge de mon petit garçon, a-t-elle continué avec une pointe d'émotion. Au moment de quitter le plateau, Patrick Fiori a accompagné la grand-mère de Charlie, la jeune fille a assurément réussi à faire passer son message.